Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci de regarder C'est l'Hebdo. Comme tous les samedis, on est en direct avec au sommaire de l'émission ce soir la nouvelle phase dans la guerre en Ukraine. Le conflit ne cesse de monter en intensité. Les tanks russes sont aujourd'hui au cœur de la ville dévastée de Mariupol. Et c'est maintenant la bataille de Kiev qui se prépare. Toujours pas de perspective de cesser le feu. Et Vladimir Poutine qui prononçait cette semaine des mots d'une brutalité inouïe. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы. Purifier et donc détruire. Comment Poutine justifie-t-il d'avance les crimes qu'il va commettre? Comment penser cette guerre d'un nouveau type? Invité de C'est l'Hebdo dans un instant, le philosophe Martin Legros et le politiste et spécialiste des conflits Julien Théron. 22 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, archi-favori dans les sondages, mais qui doit déjà faire face à un procès en légitimité. Ses adversaires lui reprochent de refuser le débat et autre risque, celui d'une absence. Tension historique. Analyse de nos invités, Chloé Ridel, elle est présidente de l'association Mieux Voter, et du politologue Jérôme Jaffray, et puis des données inédites sur la campagne. Ce sera dans la tête des Français avec Gilles Finkelstein après la campagne formidable de Jean-Michel. Et puis après 20h, besoin de vous reposer? Si au premier signe de fatigue anormale, la visite chez le médecin s'impose, il faut savoir aussi, surtout même, s'imposer à soi-même des périodes de repos efficaces au fil de la vie de tous les jours. Le silence est un facteur dominant du repos presque au même titre que le sommeil. À la veille des prochains congés, il est bon de rappeler que vacances n'est pas toujours synonyme de détente. Le repos, une longue histoire et une histoire passionnante. Vous verrez que le repos n'a pas toujours eu le même sens à travers le temps. Le grand historien Alain Corbin publie une histoire du repos et il sera l'invité de la suite de C'est l'Hebdo. C'est l'Hebdo, c'est en direct et c'est parti. C'est l'Hebdo avec Mélanie, Jean-Michel, Eva. Ravi de vous retrouver. Bonjour, les amis. Salut, Mélanie. Et on va plonger directement dans le vif du sujet avec à la une de l'émission ce soir, bien sûr, la guerre qui continue, qui s'intensifie en Ukraine et la résistance des Ukrainiens qui force l'admiration. Une image symbolique, celle de cette couverture du magazine américain Time et cette œuvre monumentale de l'artiste JR, une toile immense en plein centre-ville de la ville de Lviv. Une photo d'une petite fille, Valeria, elle est ukrainienne, elle a 5 ans et elle vient de passer la frontière polonaise et de fuir la guerre. Un symbole fort, alors que sur le terrain, la Russie intensifiait encore ces derniers jours son offensive avec l'usage d'armes hypersoniques, la ville de Mariupol dévastée, vous le savez, la bataille de Kiev qui se prépare. Et une question que pose le magazine Le 1 cette semaine, jusqu'où la guerre? Jusqu'où la guerre? Et comment penser l'impensable? Deux invités ce soir dans C'est l'Hebdo, le philosophe Martin Legros et le politiste et spécialiste des conflits Julien Théron. Bonsoir messieurs et bienvenue. Bonsoir. Merci d'être bonsoir. Avec nous. Julien Théron, vous êtes chercheur à Sciences Po, spécialiste en conflits et sécurité internationale. Et vous êtes le co-auteur avec Isabelle Mandreau de ce livre passionnant, Poutine, la stratégie du désordre chez Talendier. Et on va voir qu'on y trouve déjà des échos il y a des années, des échos que vous avez étudiés sur Poutine, tout simplement, les mots qu'il prononce, les lieux aussi qu'il investit pour les prononcer. Martin Legros, vous êtes rédacteur en chef de Philosophie Magazine, Philomag, qui pose cette question dans son dernier numéro, la guerre alors qu'on n'y pensait plus, et comment la penser justement? Vous allez nous dire comment on peut penser la guerre au-delà de la seule brutalité, au-delà du déchaînement de la violence. Mais d'abord, regardez, c'était hier, ces images impressionnante de Vladimir Poutine. On le voit au milieu d'une foule dans un stade à Moscou pour célébrer l'anniversaire de l'annexion de la Crimée. C'était il y a 8 ans. Julien Théron, il disait très clairement les choses, Vladimir Poutine. Je le cite, « Certains ont dit que la Crimée était en péril, mais ce n'était pas vrai. Nous savons comment aller de l'avant. Nous allons réaliser tous nos plans aujourd'hui. Nous allons réaliser tous nos plans aujourd'hui. » Et je ferme les guillemets. Des mots qui suivent ceux qu'il a prononcés mercredi.
mercredi des mots d'une violence inouïe. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы. Purifié. Les ennemis comparés à des insectes qu'il faut écraser. D'où vient ce vocabulaire, ces mots? Il faut les prendre au sérieux. Ah oui, il faut les prendre au sérieux, tout à fait au sérieux. Deux éléments peut-être. Le premier, c'est que ça nous rappellera un petit peu les éléments extrêmement saillants, pour ne pas dire violents, au moment de la prise de pouvoir de Vladimir Poutine, lorsqu'il est encore que Premier ministre et que se prépare la seconde guerre de Tchétchénie. Vous vous souvenez, il avait eu des mots particulièrement éloquents sur le fait d'aller chercher... Jusque dans les chiottes, les terroristes. Voilà, donc on retrouve cette idée. À l'époque, c'est qu'il était complètement inconnu. Et il voulait se faire un nom en rassemblant les Russes derrière lui. On retrouve ce discours et on peut estimer que ce sont deux pôles, hein, et qu'effectivement, il n'y a pas eu un discours aussi violent depuis. Et le deuxième élément que je voudrais souligner, c'est qu'effectivement, la comparaison des opposants politiques à des microbes, à des éléments biologiques, à des animaux, parfois oui. Les rats, la vermine, ce genre de choses, sont des éléments assez caractéristiques de régimes totalitaires. Alors, recracher les traîtres comme des moucherons, voilà. Pour reprendre ces mots. Voilà. Je ne considère pas que le régime poutiniste soit aujourd'hui totalitaire stricto sensu, mais très clairement, on va vers un durcissement et le langage en fait partie. Que pense le philosophe de ce mot effrayant de purification? Oui, je crois que ce n'est pas uniquement une rhétorique. Vous l'avez dit, il y a un modèle politique derrière qui est le modèle totalitaire. Le modèle totalitaire, il est centré sur quoi? Sur l'idée que la société est un corps et qu'il faut purifier ce corps et que dans l'exercice de sa purification, il y a une sorte de prophylaxie sociale qui se met en place qui va rendre le corps plus fort parce qu'il aura digéré. Il y a un mot de absorber, digérer, oui. Digérer les ennemis, digérer ses ennemis, des ennemis dont on fait des insectes. Et donc, c'est une rhétorique en même temps qu'un modèle politique. La question est jusqu'où cette rhétorique et ce modèle politique vont se traduire dans des actes. La guerre n'était pas juste, c'était pas une guerre juste, la guerre que mène Poutine. On va y venir, justement. Est-ce qu'il la mène de manière injuste? Avec cette rhétorique-là, il peut emmener cette guerre très très loin. La rhétorique, elle est inséparable de ce qui se déroule sur le terrain. Purifier, pour le grand historien Jacques Semelin, c'est détruire. Vous reprenez la traduction, c'est exactement ça qu'il faut entendre? Oui, bien sûr. Visiblement, la nouvelle stratégie militaire correspond à ce discours-là. Et on a décidé, puisque la nation ukrainienne n'existe pas, de la faire disparaître. C'est-à-dire que les hommes seront bombardés, civils ou militaires, qu'importe. De toute façon, oui. La Russie a dit que le droit international n'existe pas au regard du droit russe. Et dans sa dernière révision constitutionnelle, et puis également les lieux aussi. Parce que ce qu'on bombarde aussi quand on bombarde un théâtre, on bombarde la culture. Plus de théâtre, plus de culture, plus d'hommes, plus de nations, tout fait sens. Et donc il ne reste plus que le drapeau russe qui écrase tout le reste. Et il y a un ennemi qui est défini, vous le rappelez dans votre livre, c'est l'Occident avec un O majuscule, l'Occident qu'il a désigné comme ennemi sitôt qu'il est arrivé au pouvoir. Je disais que ces images de Vladimir Poutine qu'on a toujours vues seules ces dernières semaines et qu'on voit au milieu d'une foule dans un stade, ça n'est pas n'importe quel stade, c'est un stade qui est l'un des plus grands du pays, qui est à Moscou. Et vous racontez qu'en 2012 déjà, Vladimir Poutine y était et à la tribune, il déclarait « Nous sommes un peuple de vainqueurs, c'est dans nos gènes, nous vaincrons encore cette fois ». C'est très intéressant que vous souligniez ce propos qui, en travaillant sur cet ouvrage avec Isabelle, on a effectivement été marqué par ces éléments-là, du fait que c'était dans nos gènes. Il y a quelque dans chose... Dans nos gènes, oui, il y a toujours la dimension biologique dont vous parliez. Absolument, l'idée d'un corps dont il va falloir extirper un mal qui est à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui est une autre clé aussi des régimes totalitaires, c'est-à-dire il y a un ennemi à l'extérieur et puis il y a les traîtres à l'intérieur. Il va falloir extirper tout ça. Et oui. C'est une justification de purge en interne. Alors on a vu déjà le FSB qui souffrait de purge et puis également de la société, au-delà des milliers de manifestants arrêtés. Maintenant, quand on poste quelque chose sur les réseaux sociaux, on peut
venir nous chercher. Et on en parlera tout à l'heure avec Eva Jean-Michel. Purifier, c'est détruire. La Shoah, c'est ça. Hein. On purifie, on détruit. Et le Parti communiste français, quand il entre dans un moment d'épuration, années 60, années 70, a, non pas comme slogan, mais comme explication, cette phrase qui m'a toujours marqué, on se renforce en s'épurant. Et donc c'est toujours le même mécanisme, il faut exclure des corps étrangers du grand système, parce que c'est ce qui nous affaiblit. C'est de la folie meurtrière, au fond, tout ça. Folie meurtrière, vous écrivez que pour Vladimir Poutine, il n'y a plus de frontières entre la guerre et la paix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, on est face à la guerre est en Europe, mais nous ne sommes pas en guerre. Pour lui, plus de frontières entre la guerre et la paix, explication de texte. Alors, c'est le problème de ce que j'appelle une bulle cognitive, c'est-à-dire qu'on est dans un état réflexif dans nos sociétés, dans nos discussions, où en fait, on ne considère plus la guerre. Du point de vue russe, on considère effectivement, en tout cas au Kremlin, qu'il y a une guerre qui est menée, alors pas une guerre au sens nécessairement conventionnel contre l'Occident, c'est-à-dire avec des tanks et des avions, mais qui mobilise tout un tas d'instruments, et on l'a vu dans tous les pays européens quasiment, qu'il y a des déstabilisations sociales, des ingérences politiques, de la désinformation, de la cyberguerre, des intimidations militaires. On en parle assez peu, mais il y a des sous-marins et des aéronefs russes qui essayent de pénétrer notre espace très régulièrement pour tester nos défenses. Et tout ça, effectivement, ça fait partie des nouvelles conceptions de la guerre. Et ça, c'est fascinant de voir d'ailleurs comme on peut être engagé dans une guerre totale en temps de paix. Qu'est-ce qui vous frappe, Martin Legros, dans la nouveauté de cette guerre ? Pourquoi vous y voyez quelque chose qui est un événement qu'on ne connaissait pas jusque-là. Alors, je crois d'abord qu'il y a une expérience des mois partagés collectifs, comme si nous nous réveillions d'une sorte d'illusion, qui explique d'ailleurs, je crois, le sentiment, quelque chose se remue dans la conscience de tout un chacun, qui explique les mobilisations pour les réfugiés, l'intérêt du public pour cette guerre qui est quand même lointaine. Donc il y a d'abord le sentiment d'une effraction, parce que ce n'est pas uniquement un pays qui a envahi un autre pays, c'est un modèle, une nation civique qui défend sa liberté, qui s'oppose à un envahisseur. Oui. Et mon idée, c'est que il y a un affect très très fort. Si maintenant on essaie de réfléchir intellectuellement, un peu philosophiquement, on peut se dire que dans l'histoire de l'humanité a connu trois formes de guerre. Trois formes assez simples. Les Grecs... Trois grands âges de la guerre. Les Grecs considéraient que, après tout, aller combattre les barbares, c'est assez normal. Mais ce qu'il faut redouter, c'est ce qu'il appelait la stasis, c'est-à-dire la guerre intérieure, la division intérieure où les frères s'entretuent. Et c'est ça qu'il fallait éviter absolument. Les classiques que nous sommes, ou les modernes, c'est l'idée que la guerre, c'est plus à l'intérieur. Il y a la paix à l'intérieur. C'est les États entre eux. Il n'y a pas un super État pour faire la paix entre eux. Et donc, ils sont toujours dans une relation de guerre possible. Mais comme le dit Rousseau, il n'y a de guerre qu'entre les États. Et puis les contemporains ont connu un troisième âge de la guerre, avec le XXe siècle, avec les génocides, avec les massacres, avec le surgissement d'une nouvelle arme, la bombe atomique, Hiroshima. La possibilité de l'extermination. Eh bien, je crois que dans cette guerre, ce qui nous sidère et nous fascine, c'est que nous vivons en même temps les trois guerres en même temps. La menace d'une guerre civile, c'est quand même partie d'une menace entre les Ukrainiens et les Russes. Et je voyais aujourd'hui que même les Russes ukrainiens, les russophones ukrainiens ont pris parti pour l'Ukraine, mais du coup qu'il y a une guerre entre Russes et Ukrainiens qui est en train de se... que Poutine a déclenché. Donc il y a une guerre civile, il y a une stasis au départ, il y a une guerre entre États, un État envahit un autre État, et il y a la menace de l'extermination nucléaire qui nous effraye. Et je dirais la menace nucléaire qui est réapparue... qui fait qu'on ne s'engage pas. Et j'ajouterai un dernier élément, c'est que l'issue de cette guerre tient, à mon avis, à la manière dont ces trois guerres vont s'articuler. Peut-être que le fait que la réconciliation que Zelensky promet va neutraliser les ambitions de Poutine et donc peut-être la menace d'une extermination et d'une guerre nucléaire, et peut-être que les trois guerres vont se renforcer l'une l'autre et mener au désastre. Tout est possible. Il y a quelque chose de très frappant quand on regarde les deux discours cette semaine, à la fois celui de Vladimir Poutine et puis celui du président ukrainien Zelensky lorsqu'il s'adressait au Congrès américain. On a d'un côté les mots de Poutine dont on vient de parler, et puis il y a les mots de Zelensky qui, lui, mettait en avant, pour qu'on prenne la mesure de ce qui se passe dans son pays, des exemples qui frappent les Américains. Le 11 septembre, Pearl Harbor, comme s'il y avait une dimension historique commune entre ces peuples, comme s'il y avait des valeurs partagées, et pour les inciter, les Américains, à davantage aider les Ukrainiens à s'armer, notamment pour faire face à l'aviation russe. Comment est-ce qu'on peut juger ce face-à-face ?
Il y a clairement une tentative des Ukrainiens de mobiliser la lutte pour la liberté des Américains et les attaques dont ils ont été victimes afin de s'attirer effectivement les bonnes grâces du Congrès. Naturellement, c'est un mouvement assez compréhensible. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est dans le discours que le président Zelensky a produit auprès des Allemands. Et là, il dit, vous savez, vous avez une sorte de mauvaise conscience qui provient du nazisme lors de l'opération Barbarossa, qui a rompu, on le rappelle, le pacte germano-soviétique. Parce que ça, par exemple, ça a été complètement gommé de l'historiographie en Russie. Mais donc, de l'alliance entre l'URSS et le régime nazi. Et le président Zelensky disait, mais vous savez, il y avait beaucoup d'Ukrainiens qui ont été aussi massacrés lors de l'invasion allemande et qui se sont battus pour... Donc, en gros, il essayait de leur dire, mais vous ne devez pas avoir qu'un complexe vis-à-vis des Russes et donc vous dire, oh, il ne faut surtout pas agir contre les Russes. C'est aussi en défense des Ukrainiens parce que, d'une certaine manière, vous avez une dette morale envers nous aussi autant qu'envers les Russes. Donc, oui. Armez-nous, soutenez le combat pour la liberté. J'ajouterais juste une chose que je trouve... très intelligente de la part de Zelensky. Il dit aux Américains, c'est votre Pearl Harbor et votre 11 septembre. Il dit aux Allemands, c'est votre mur de Berlin. Il va sans doute parler de la Révolution française quand il va s'adresser à l'Assemblée mercredi. Ce sera mercredi et prochain. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son intelligence, c'est de dire, il ne suffit pas de dire que c'est un crime de guerre, que ce n'est pas légal au droit international. Il faut mobiliser les mémoires des peuples démocratiques. Les imaginaires, vous y revenez d'ailleurs, Julien Théron, les imaginaires, effectivement. Et Mélanie, c'est vrai qu'on a cherché ces dernières semaines un mot pour qualifier Vladimir Poutine, et certains ont dit que c'était un autocrate, un dictateur. Et Joe Biden a pris la parole pour qualifier ses actes. Ça s'est passé juste après le bombardement du théâtre à Mariupol où des centaines de civils étaient réfugiés, un peu plus tôt cette semaine. Donc Joe Biden, le président des États-Unis, prend la parole. Il qualifie Vladimir Poutine, juste trois mots. Voilà, c'est un criminel de guerre. C'est la première fois que le président utilise publiquement ces termes-là. Immédiatement, le Kremlin réagit en disant que ce sont des mots impardonnables, inacceptables. Mais avant Joe Biden, la Cour pénale internationale a annoncé début mars l'ouverture d'une enquête des crimes de guerre en Ukraine. Son procureur s'est lui-même d'ailleurs rendu mercredi dernier dans le pays. Il faut savoir que l'Ukraine reconnaît la Cour pénale internationale depuis 9 ans, ce qui n'est pas le cas, pour le coup, de la Russie. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur la manière dont Vladimir Poutine pourrait ou pas répondre de ces crimes de guerre à terme ? Alors, c'est difficile de prédire l'avenir. Très difficile, surtout dans le cadre d'un conflit qui est lui-même assez imprévisible. Donc, par exemple, le mois qui vient va être extrêmement déterminant. Et pourquoi ? Même en termes militaires. Oui. La question de la prise des villes majeures ou si les armées russes vraiment n'arrivent pas à pénétrer les villes de Kiev, arriver à Odessa, de finir de prendre Mariupol et Kharkiv, ça va être absolument déterminant. Donc il est très difficile d'envisager une justice post-conflit à partir du moment où le conflit n'est pas terminé. Ceci dit, on aura déjà une indication parce que la Cour internationale de justice a donné un avis conservatoire mercredi en expliquant qu'elle ordonnait à la Russie d'arrêter les combats. C'est pour comprendre cette décision-là, c'est une manière de dire, écoutez, effectivement, il y a des suspicions de génocide, c'est à la demande de l'Ukraine, mais en disant, parce que la Russie dit qu'il y a un génocide chez nous, on va demander à la Cour internationale de justice de statuer. Et donc la Cour de dire, on arrête tous les combats, on va enquêter, ça peut prendre plusieurs années, mais pour ça, vous devez avoir arrêté les combats. Et on voit bien que la Russie fait complètement fi de ce genre de choses, puisque le droit international a tombé. Et ça, vous le racontez bien, d'ailleurs, dans la stratégie de Vladimir Poutine. Oui, un élément sur criminel de guerre, je ne suis pas du tout un réaliste, on appelle ça, les réalistes vont s'offusquer, parce qu'ils vont dire, comme Emmanuel Kant, le philosophe, il disait, il ne faut jamais, dans la manière dont on mène la guerre, s'empêcher que l'adversaire revienne autour de la table. Et si un dirigeant traite Poutine de criminel de guerre, ce qu'il est, je ne le conteste pas, ça met quand même en compromis des négociations qui auront lieu demain sans doute entre Biden et Poutine. Donc que la justice fasse son travail, que les sociétés fassent leur travail, que les historiens nomment les choses, sans doute. Je ne suis pas sûr que l'outil du droit
l'invocation de la justice en plein conflit soit utile. Il faut une langue de bois en politique quand on est un responsable. Sans doute. Et il faut aussi pouvoir le traduire devant un tribunal, en l'occurrence à La Haye. Martin Legros, pourquoi ce titre de Philosophie Magazine, La guerre alors qu'on n'y pensait plus? Le mot penser est important. Vous essayez de penser la guerre. C'est pas qu'on n'imaginait pas, alors que les renseignements américains nous disaient que la guerre d'Ukraine allait advenir et qu'il y aurait une offensive russe. C'est la difficulté à penser l'événement lui-même. Je crois que j'ai des enfants entre 12 et 15 ans. La guerre n'était pas dans leur horizon d'avenir, ni même dans leur mémoire, même s'ils ont des grands-parents qui ont pu connaître cela. La guerre était sortie de notre horizon mental, de notre horizon existentiel, même de notre horizon métaphysique. On ne réfléchissait plus en termes de guerre. Oui. Et bien, donc il va falloir se remettre à penser le fait que si on est un peuple qui est prêt à défendre, comme les Ukrainiens, leur liberté civique, aujourd'hui les Ukrainiens ne défendent pas uniquement leur territoire, ils défendent un modèle politique qui est le modèle d'une Ukraine civique. Absolument. C'est pas le peuple ukrainien, c'est le peuple d'Ukraine aujourd'hui dans la Constitution. Le russe est aujourd'hui une langue qui fait partie, alors qu'au début, ils avaient un peu exclu. Aujourd'hui, le russe fait partie. Donc, c'est une nation civique qui défend ses droits. Et nous-mêmes allons devoir réfléchir sur nous-mêmes. Nous sommes un peuple, aussi un peuple civique, pas uniquement un peuple libéral, pas uniquement un peuple dans une économie mondialisée, etc. Et à quoi sommes-nous prêts, nous aussi, pour défendre cela, à des sacrifices qui demain vont venir très rapidement, parce que ça va coûter cher cette guerre à tout point de vue. Ça n'est pas pour objecter quelque chose à votre raisonnement, mais la Russie, par son isolement, son statut d'État paria aujourd'hui, démontre aussi que la guerre n'est pas du tout une réponse, que la guerre est profondément inadaptée, que c'est un archaïsme. C'est aussi ce que nous montre la situation. Je ne suis pas très d'accord. C'est-à-dire, il me semble que la manière dont Vladimir Poutine mène la guerre, c'est non seulement une guerre injuste, mais c'est une manière de mener la guerre. Vous savez, il y a une distinction en droit entre le jus ad bellum, le droit de faire la guerre, et le droit de la manière, le jus in bellum, la manière dont vous menez la guerre. In bello. Là, il a in bello, pardon. Il a faux sur les deux. Oui, on est d'accord. Mais ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guerre juste. Et qu'il n'y a pas de manière de mener. Parce que si la guerre est une horreur auquel il ne faut jamais rentrer, on bascule dans le pacifisme et on n'a rien à opposer à la guerre. Je crois qu'on a opposé à la guerre des guerres justes et injustes, des manières de mener la guerre juste et injuste. Et c'est avec ces outils-là qu'on va s'opposer à Poutine et pas avec les outils du pacifisme qui dit non, la guerre c'est une horreur, il ne faut pas y aller. Alors justement, on peut s'opposer à la guerre, c'est quand même très difficile de le faire quand on est en Russie. Oui, surtout quand on est en Russie, effectivement. Alors, ces derniers jours, on va retenir un visage, celui de Marina Ovsyannikova. Cette journaliste est devenue un peu le symbole de la contestation, de la protestation en Russie. Lundi soir, c'était pendant le journal télévisé pro-Kremlin, le plus regardé en Russie d'ailleurs. Elle a fait irruption, pancarte en main, pour dénoncer la guerre en Ukraine. Évidemment, elle a été immédiatement arrêtée. Elle a été libérée. Elle a d'ailleurs refusé l'offre d'asile politique qui lui avait été proposée par Emmanuel Macron en disant qu'elle voulait rester en Russie. En Russie, ces mouvements de contestation se poursuivent malgré l'interdiction de manifester. Et je voudrais vous montrer une image absolument incroyable. Regardez ce Russe qui brandit en guise de pancarte une simple feuille blanche. C'est vraiment une petite feuille blanche qu'il a devant lui, une feuille A4, devant les policiers. Il s'est quand même fait arrêter, évidemment. Julien Théron, comment se faire entendre en Russie quand on est contre la guerre? Est-ce que vous pensez que cette petites contestations, ces petites protestations, aussi petites soient-elles, peuvent quand même faire changer les choses. Il se fait arrêter, je le rappelle vraiment, alors qu'il ne faisait que tenir une feuille blanche, une feuille A4 blanche. Mais vous savez, alors juste une petite précision, elle attend un procès quand même, la journaliste, parce qu'elle a été libérée contre amende, mais ce n'est pas terminé. Elle a quand même des années de prison ferme qui lui pardonnait. Comme ce monsieur d'ailleurs. Et alors il y avait un autre mouvement entre les deux aussi, c'est qu'on avait 3 lettres et puis 6 lettres, si je ne m'abuse, pour dire Niet Voyne, pour dire non à la guerre, mais en astérisque. Oui. C'est-à-dire. On ne savait pas ce qu'il était dit, mais on comprenait que, comme un espèce de, vous savez, comme les jeux télévisés, un rébus, pour comprendre ce qui était indiqué. Alors, on ne le disait pas, mais c'est exactement ce qu'on voit. La nature de répressive de ce genre de régime détecte que vous êtes en opposition, même si vous vous tenez et qu'on vous dit « ne restez pas là » et que vous refusez de partir, l'espace public n'appartient pas au peuple dans des régimes oppressifs de ce genre-là. Mmh. Il appartient au régime. C'est très différent. Je vous donne un exemple. La personne du président, l'ancien garde du corps du président, de la personne de Vladimir Poutine, et donc de sa fonction, est maintenant à la tête de la garde nationale russe qui a autorisation de tirer sur la foule s'ils ont envie parce qu'il y aurait des risques de sécurité nationale. On voit bien la différence entre l'homme, la fonction, le gouvernement, l'État, et qu'en fait,
C'est un système, et c'est à ces gens-là, qui font partie des structures de force, qu'on appelle Siloviki, qu'appartient la Russie aujourd'hui, qui est contrôlée la Russie. Et d'ailleurs, on en trouve l'explication dans votre livre « Poutine, la stratégie du désordre ». Encore un mot, Martin Legros, il y a l'une des plus fameuses citations sur la guerre, on la doit à Clausewitz au XIXe siècle, et il disait « La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens ». C'est une phrase qu'on utilise à tort et à travers, en l'occurrence. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que ce à quoi on assiste, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens? Et dans ces cas-là, mais quelle politique? Alors, le pari de Clausewitz, c'était que la politique devait, que la guerre contenait en elle-même une possibilité d'une montée aux extrêmes, c'est-à-dire qu'avec le fait qu'on se répliquait, aujourd'hui c'est les armes supersoniques, demain ce sera autre chose, et donc ça monte, ça monte, ça monte, et que l'enjeu, c'est de maintenir la guerre dans la politique, de l'encadrer par ce qu'il appelait l'État personnifié, qui devait garder la main. Clausewitz disait, oui, mais il y a la montée aux extrêmes, et il est possible, et Raymond Aron, au XXe siècle, a écrit un livre sur Penser la guerre avec Clausewitz, il disait, peut-être que le problème du XXe siècle, c'est pas que les politiques n'arrivent plus à contenir la guerre, c'est que les politiques rendent la guerre illimitée. Et on est peut-être dans un cas, ici avec Poutine, non pas d'une guerre qui, par nature, déborde et fait des crimes, on est dans le cas d'une guerre que le politique fait monter aux extrêmes. Et ce à quoi on assiste, c'est une guerre totale. Alors, fondamentalement, le ministre de la Défense russe, Sergueï Choïgou, a écrit un article il y a quelques années qu'on a mécompris comme étant une doctrine Gerasimov, ça n'est pas du tout le cas, mais il a dit quelque chose de très important. Il exprimait le fait que l'armée, parmi d'autres moyens dont il était capable, comme la désinformation, par exemple, ou le cyber, de produire, cette armée-là était au service du politique. Oui, il a expliqué qu'il y avait plein d'outils possibles, mais ce qu'il fallait vraiment fondamentalement comprendre, c'est que c'était... le militaire va pouvoir servir des objectifs politiques. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. On pourrait remplacer Ukraine par Syrie, Tchétchénie, Géorgie, ça on l'a déjà vu, mais je vous rappelle que la Biélorussie aussi s'est fait complètement absorber dans ce qu'on appelle l'État de l'Union en passant. On peut parler de n'importe quel pays remplacé, c'est une guerre de domination politique, d'un système autocratique, comme vous l'indiquiez, contre les démocraties. Et c'est pour ça que ça nous mobilise aussi, nous, parce qu'on est les tenants de ce système politique démocratique libéral, au sens libéral politique, où les libertés fondamentales sont importantes. Et c'est pour ça que ça nous heurte, parce qu'on vivait dans cet environnement depuis trois générations, et qu'on estimait que c'était infini. Et en fait, ça ne l'est pas, le risque est à nos portes. Merci infiniment à tous les deux. Merci de nous avoir aidés à réfléchir sur la guerre d'Ukraine. Et Martin Legros, donc le nouveau numéro de Philosophie Magazine que je recommande chaleureusement, avec la guerre alors qu'on n'y pensait plus en couverture. Julien Théron, Poutine, la stratégie du désordre, c'est chez Talendier. Justement, on va revenir maintenant en France avec une campagne présidentielle qui touche à son terme. Vous parliez, Julien Théron, de la démocratie. La démocratie est-elle à réinventer? En tout cas, c'est une campagne... formidable. Campagne formidable, Jean-Michel Apathy. Ceux qui sont en campagne doivent séduire les lecteurs, parce qu'ils ont envie que les lecteurs votent pour eux. Comment séduire vraiment un électeur en lui parlant des problèmes qu'il rencontre? Problème numéro un aujourd'hui, le prix de l'essence. Alors, concours l'épine de la part des candidats pour faire baisser le prix de l'essence. Ils en ont des idées, nos candidats, on les écoute. La baisse de la TVA, passer la TVA de l'essence à 5,5 et ça nous permettrait par exemple sur un litre d'essence à 2 euros de mettre le prix de l'essence à 1,76 € et de plafonner ce prix. Maintenant je ne me contente pas de dire bloquons les prix, je dis on les bloque à la baisse, c'est-à-dire qu'on décide que ça coûtera 1,30 € ou 1,40 € à la pompe, pas un centime de plus. Ces mesures ensemble permettent de faire baisser le prix des carburants de 34 à 50 centimes par litre, ce qui est évidemment considérable. Bon, le mieux disant, c'est Mélenchon. 1,30 €, on n'a pas trouvé mieux, mais enfin, on attend les autres, parce qu'ils vont continuer, bien sûr, à nous en parler. Alors, on connaît l'adage « un homme, une voix », tous les votes se valent, mais apparemment, certains votes valent plus que d'autres. On sait pour qui va voter Nicolas Sarkozy ? Eh non, on ne le sait pas. On attend que Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, il faut le dire, même si on a beaucoup parlé de lui sur le front judiciaire, tout de même, il garde une aura importante. Et donc, on attend que Nicolas Sarkozy dise quelque chose. Il a promis, c'était en décembre, qu'il s'exprimerait sur l'élection présidentielle et qu'il soutiendrait un candidat. On écoute. Naturellement que je prendrai position.
le moment venu, parce que c'est un choix important, le moment où je prendrai position, il viendra. Mais il faut faire en sorte que ça soit utile et que ça soit à un certain niveau. Parce que la fonction qui a été la mienne doit être respectée. À un certain niveau. Donc on attend toujours. Et alors bien sûr, on pense que Nicolas Sarkozy va soutenir Valérie Pécresse, parce que c'est la candidate de son parti. Mais en fait, Nicolas Sarkozy dit tellement de mal en privé, ses amis répercutent tellement ça sur Valérie Pécresse, qu'on se dit, mais finalement, est-ce qu'il ne va pas appeler à voter Emmanuel Macron? En tout cas, Valérie Pécresse a fait son deuil, visiblement, du soutien de Nicolas Sarkozy. Regardez comment elle réagissait dans une interview au Parisien cette semaine, quand on lui dit, alors Nicolas Sarkozy va appeler à voter pour vous. Et elle répond, j'ai été fière d'être sa ministre, d'accord, c'est moi. Aujourd'hui, je trace ma route. Sous-entendu, ma route, c'est pas avec Nicolas Sarkozy que je vais la tracer. Donc on attend que Nicolas Sarkozy, au bon niveau, nous dise ce qu'il va faire. Merci Jean-Michel.